dont la mission, mon métier, est d'aider nos clients à établir leur stratégie ou les mettre en œuvre, pour faire simple, tout secteur et toute fonction confondue. Pour être un peu plus précis, le BCG s'est doté d'une practice climat et environnement que je représente. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'au BCG, je pense que partout, on parle d'ESG depuis 15 ans, mais je pense que le BCG n'a compris l'énormité du problème qu'il n'y a que quelques années. Alors c'est à la fois un problème, parce que c'est tout récent, c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça y est, la bascule est faite. Le rôle de cette practice, il est double. D'une part, c'est de faire notre métier, mais avec un axe de protection environnement et surtout de décarbonation en ce moment, c'est-à-dire d'aller aider nos clients à construire des stratégies de décarbonation sur leurs propres opérations et leur supply chain, et à mettre en œuvre ces programmes-là. Et puis l'autre axe de cette practice, notre autre rôle, et je pense qu'il est presque encore plus important, il est tourné vers l'interne. D'une part, s'assurer que nous soyons exemplaires dans cette démarche-là, et que le BCG, dans ses opérations à lui, dans les opérations, dans je dirais, le quotidien de nos consultants et consultantes, on applique à nous-mêmes les principes que l'on professe chez nos clients dans ces stratégies. Et puis surtout, que même lorsqu'on ne vend pas un cas ou un projet autour de la décarbonation ou autour de l'ESG ou de l'environnement, eh bien que l'on conserve cette boussole et qu'en plus de faire ce qu'on a toujours fait, qui est de calculer, de maximiser la valeur économique de nos actions auprès de nos clients, bah, qu'on intègre aussi dans ces calculs de valeur la notion climat, la notion environnement. On n'y est pas encore, mais c'est une vraie révolution, je dirais, dans notre manière de travailler. Voilà, donc ravi de partager cette expérience. Merci beaucoup. Bon, je laisse Léa prendre la suite et modérer Ouais. Merci beaucoup. Comment on va structurer cette conférence? On va premièrement parler de gouvernance, ensuite on parlera de reporting et on vous laissera un troisième temps de questions. Tout d'abord, la gouvernance, troisième pilier des critères ESG, tout ce qui va traiter donc de la façon dont une entreprise est dirigée, elle est contrôlée, sa transparence. Et donc, c'est un critère qui est souvent oublié, souvent peu connu, mais qui va être très important puisqu'on traite ici de la façon dont une entreprise gère sa stratégie. Et il y a une loi qui a été récente, la loi Pacte, qui a la volonté en tout cas de pousser les entreprises à prendre en considération les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux dans la façon dont elle va traiter de son cœur d'activité. Ici, cette loi Pacte, elle a introduit la notion d'intérêt social, de raison d'être aussi pour certaines entreprises, et elle a doté la possibilité pour les entreprises de devenir des sociétés à mission. Donc une volonté ici de repenser la gouvernance des entreprises. Et donc ma première question, et j'aimerais vous l'adresser à Antoine Gontier et je vous laisserai ensuite rebondir, c'est de savoir quels sont les apports et quelles sont les limites de cette loi sur cet enjeu de responsabilisation pour l'entreprise dans sa définition de sa stratégie. Ok. Alors, moi, je remets sur le fait que nous, on intervient beaucoup aussi à l'étranger, hein, aussi. Donc, mon regard, il n'a pas été au cœur de ce qui s'était passé en France sur cette loi Pacte. Je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme PAC, mais voilà, il y a la transformation de l'économie. Donc c'est une loi qui est très générale et qui n'est pas centrée du tout que sur les problématiques environnementales et sociales, mais donc, il y a juste certains articles, une petite partie qui est autour de cette question-là. Pour moi, le premier point important à connaître là-dessus, c'est effectivement il y a une part qui est obligatoire, qui doit s'appliquer à toutes les entreprises, et puis il y a une part qui est purement volontaire, qui est une intention fixé, permis à certaines entreprises. Donc voilà, l'idée que globalement, dans la définition large d'entreprise, on ait rajouté l'idée qu'il fallait prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux, ça doit s'appliquer à toutes les entreprises. Mais je considérais que c'est la loi Pacte, elle était là pour faire parler de l'enjeu, mettre le symbole, mais je considère ne rien changer au niveau juridique et de la responsabilité réelle des entreprises dans le fait que si elles décident de plus accorder l'importance aux enjeux environnementaux et sociaux qu'à d'autres préoccupations. Donc pour moi, il n'y a pas du tout une rupture avec la loi Pacte et même pas vraiment d'incidence du fait qu'il y ait certains articles de loi qui bénéficient à l'entreprise qui a été changé, à part au niveau, enfin, et ça compte, mais au niveau symbolique, au niveau de la promesse peut-être d'étapes derrière qui n'ont pas forcément été réalisées depuis. Et sinon, il y a des limites donc plutôt volontaires où là, on a voulu renforcer un peu le cadre de protection pour les entreprises qui voulaient faire des pas là-dedans. Donc, c'était de reconnaissance d'une raison d'être, de reconnaissance d'objectifs avec le statut de société à mission. Donc, ça, je pense, c'est intéressant. Moi, j'ai pas
pas trop regarder l'application derrière, mais je pense que les entreprises qui ont fait ces démarches-là volontaires, il y a du bien et du moins bien, mais ça crée des réflexions internes et des changements et de la volonté vraiment pour ces entreprises-là de mieux se faire contrôler sur les émissions environnementales et sociales et d'avoir peut-être plus de transparence, plus d'objectifs un peu plus long terme. Donc je pense que ça a été positif pour les entreprises qui ont fait ce choix-là. Mais ça reste finalement un tout petit nombre d'entreprises, et parmi les grosses entreprises, celles qui sont assez importantes dans l'activité économique et dans les dégradations environnementales et sociales aujourd'hui, voilà, c'est carrément quasiment marginal, on pourrait considérer le nombre qui ont suivi ce chemin-là. Donc voilà, moi je pense que cette dynamique volontaire peut être intéressante, enfin, on va avoir du recul, et en tout cas très peu de nombre, et la dynamique générale, la loi PACTE n'a pas changé grand-chose. Alors après, il y a le deuxième aspect par contre de la loi PACTE, on va parler peut-être après, qui a été d'augmenter le nombre d'administrateurs salariés au niveau du conseil d'administration, augmenter cette présence-là. Donc ça, ça commence à être mis en place. Et c'est un sujet dont on peut parler, mais qui est peut-être un peu séparé. Deuxième grosse dimension. On en parlera un petit peu plus tard. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur la loi PACTE. Alors je peux rebondir sur le point de l'objet social. Ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que, alors, comme tu l'as dit, ça apporte, évidemment, c'est une loi qui rend possible quelque chose qui n'était pas interdit avant. Donc c'est intéressant. Mais elle a le mérite d'exister, elle a le mérite de forcer les conseils d'administration, les COMEX, à se poser cette question. Et je crois qu'on a besoin de ça en ce moment. Et je m'explique, parce que ça permet d'interroger en profondeur à quoi sert une entreprise sans remettre en cause son existence. Or, il faut bien reconnaître que réussir la transition énergétique, ça pose des questions existentielles à un certain nombre de secteurs. Un certain nombre de secteurs qui peuvent se décarboner, c'est-à-dire poursuivre, je dirais, leur objet social de manière plus durable. En tout cas, ils peuvent plus facilement le prétendre. D'autres, c'est quand même plus compliqué. Comment est-ce qu'on existe en tant que producteur de gros SUV, de producteur d'avions, de compagnies aériennes, d'agroalimentaire dans le bœuf? Comment est-ce qu'on existe? Comment est-ce qu'on se perçoit dans la transition écologique? Et ça, jusqu'à présent, jusqu'à la loi PACTE, c'est le fait qu'on pose sur la table cette notion de raison d'être, c'est très bloquant, en fait. Ces questions existentielles, elles sont totalement vertigineuses. Donc on les évite. Là, on a un objet, et ça permet de commencer à adresser ces questions, et de se dire, bah, finalement, est-ce que notre raison d'être, à nous, c'est de produire des SUV propres, de produire des SUV sûrs, de produire des beaux SUV, des SUV performants, etc. Ou est-ce que notre raison d'être, c'est pas de construire, d'offrir des solutions de mobilité à nos clients? Est-ce que notre raison d'être, c'est pas de permettre à nos clients de partir en vacances sans abîmer l'environnement? Enfin, j'extrapole un petit peu, mais ça permet en tout cas de déplacer la question et de poser des questions qui sont autrement vertigineuses dans un cadre qui est, encore une fois, légitime. Donc je pense que c'est un des apports. Ensuite, on parlera du reste de la loi PAC, parce qu'il y a aussi, comme on l'a dit, les administrateurs, les parcs durables, etc. Mais sur cet aspect-là, un point qui pourrait paraître ne servir à rien, en fait, débloque beaucoup de réflexions qui autrement n'auraient pas eu lieu. Oui, alors moi je voudrais dire tout ce qu'il n'y a pas dans la loi PACTE, en fait, et notamment ce côté totalement inabouti. Donc merci d'avoir dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas interdit avant. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler des lois bavardes ou des lois d'évitement. Parce que la loi PACTE, c'est la fille du rapport Nota-Sénart qui pointait une difficulté majeure, c'est-à-dire le poids grandissant des actionnaires et la logique court-termiste et extrêmement financière qu'il faisait peser sur la stratégie des entreprises. Et donc effectivement, la logique des actionnaires peut être, pour poursuivre l'exemple que vous venez de donner, de faire des SUV avec des marges de plus en plus importantes, de même tuer les petits véhicules, ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises automobiles, parce que la marge est moindre, parce que l'objectif c'est donc d'être dans une logique extrêmement financière. Qui est aligné sur cette logique? Les dirigeants d'entreprise. C'est le rapport qu'on a montré sur pourquoi les entreprises, notamment les grandes entreprises, étaient dans une logique de profit sans lendemain. C'est qu'une grande part, voire l'immense majorité de la rémunération variable des dirigeants d'entreprise est alignée sur les intérêts des actionnaires. Donc il y a une boucle qui se boucle et qui fait qu'on est dans cette logique-là. Qu'est-ce qui se passe
de façon corrélative, eh bien, les entreprises sont très peu alignées avec l'accord de Paris. C'est 13%, je vérifie le chiffre, 13% des entreprises européennes qui sont alignées avec l'accord de Paris. Donc il faut absolument, et il faudrait, casser cette logique-là. Et la loi PAC ne va pas du tout assez loin pour permettre de remettre en cause cette façon de piloter les entreprises. Parce que finalement, cette raison d'être, elle est quand même très peu contraignante. Elle est surtout un moment d'animation interne, de définition profite aux cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises dans la définition de leur raison d'être. Pardon, mais il se trouve que j'ai acquis maintenant une liberté assez grande qui fait que je peux dire ça. Et je ne remets pas en cause, il y a des clients, il y a des gens qui travaillent pour ces clients. Mais ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup trop limité, l'ambition est beaucoup trop faible et surtout il n'y a pas de contraintes. Et il y a aussi une capacité de reporting ou de vérification de l'alignement avec cette raison d'être qui est très très faible. Donc du coup, c'était plein de bonnes intentions, mais juste plein de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on a gardé les intentions qui étaient dans le rapport Sénat-Nota sans les traduire avec une dimension qui est une dimension un peu contraignante. Et je pense que vu les enjeux aujourd'hui, si on regarde la réalité qui est celle des grandes entreprises françaises, on est sur un scénario à 3,5 degrés au moins. Donc on sait très bien que 3,5 degrés, c'est même pas documenté réellement en termes d'impact parce que y aura des boucles de rétroaction, parce qu'on sait pas trop ce que ça signifie en fait. On sait aujourd'hui, même les scientifiques ne savent pas trop définir ce que peut être un monde à plus 3,5 degrés. Donc on doit absolument agir plus vite et plus fortement. Et donc agir plus vite et plus fortement, c'est créer un cadre de contraintes, puisque les entreprises sont les championnes de l'optimisation sous contrainte, qui les met dans cette trajectoire. Donc ce serait une loi PACTE puissance 25 qui crée ce cadre qui permet aux entreprises de ne pas pouvoir en sortir et d'être inventives, et d'être inventives dans les produits, inventives dans les services, de faire tout ce que vous dites, mais en fait en ayant l'interdiction de produire des SUV par exemple. Hein, tout ce qui est absolument incompatible avec un scénario vraiment en dessous de 2 degrés doit simplement, c'est un des outils de la puissance publique, être interdit. Et je dis les choses avec simplicité, il y a plein de choses interdites. Vous n'avez pas d'entreprises qui produisent du poison. Vous avez des entreprises qui produisaient des pesticides toxiques, elles n'ont plus le droit de les produire. Vous n'avez pas d'entreprises qui produisent des jouets avec des tout petits morceaux que les enfants peuvent avaler. Enfin, le fait de pouvoir interdire des productions dangereuses pour la santé, etc., c'est quelque chose de très banal. Il faut juste intégrer que maintenant la question climatique est un risque pour l'humanité aussi grand, qui nécessite une régulation aussi grande, et que cette régulation, elle doit peser sur les entreprises, qui feront appel au cabinet de conseil pour savoir comment bien se mettre en ligne avec ça. Tout ira bien. Outre les limites, juste un chiffre qui donne un petit peu le cadre, seulement 12% aujourd'hui des entreprises du SBF ont inscrit dans leur statut leur raison d'être, donc on parlait de contraintes tout à l'heure, on y est encore loin. Pour parler des conseils d'administration maintenant, le conseil d'administration, donc c'est l'organe qui gère la stratégie d'une entreprise et qui est donc composé d'administrateurs qui défendent les intérêts des actionnaires. Et on l'a dit, on va avoir aussi quelques représentants des salariés. Mais aujourd'hui, dans la lignée de la loi PACTE, on voit l'émergence de comités de parties prenantes ou encore de comités de mission pour les entreprises à mission. Des parties prenantes, c'est-à-dire des membres de la société civile, des membres d'ONG ou encore des gens de la jeune génération qui viennent représenter une plus grande diversité de points de vue. Aujourd'hui, peut-être avec vous, pour commencer, Cécile Duflo, est-ce que ces parties prenantes sont suffisamment audibles et suffisamment intégrées dans la gouvernance des entreprises? Et de quelle manière ces comités pourraient devenir un véritable levier d'action dans la gouvernance? Alors, je pense que sur le papier, c'est intéressant. Ça dit bien aussi les limites des conseils d'administration. Parce qu'en vérité, on devrait imaginer des conseils d'administration avec une gouvernance qui permet d'intégrer tous ces paramètres. Il se trouve que j'ai intégré un comité de parties prenantes, dont les travaux et les réflexions étaient intéressantes, mais je ne suis pas certaine de leur poids déterminant relativement au poids des actionnaires dans les décisions du conseil d'administration. Donc ce que nous plaidons à Oxfam, c'est qu'on change la composition des conseils d'administration, notamment en intégrant, et nous, notre
Orientation, c'est pas d'intégrer différentes parties prenantes de façon avec des collèges, mais c'est de dire beaucoup plus de salariés. Parce qu'il nous semble que les salariés ont finalement une vision plus durable de l'entreprise et très au fait des métiers, donc très au fait des possibilités d'évolution, que des parties prenantes qui seraient sélectionnées, qui seraient représentées partout. L'autre élément, c'est que les ONG comme les nôtres, on peut faire ça de façon ponctuelle, mais ça peut pas, on peut pas être détaché pour se réunir dans tous les comités de parties prenantes. Il y a d'autres lieux d'élaboration du cadre collectif des entreprises. Là, je pense que c'est plus notre rôle que chaque stratégie individuelle d'entreprise. Donc je pense qu'il faut faire évoluer la gouvernance, mais il faut faire évoluer les conseils d'administration, c'est-à-dire les lieux qui sont vraiment décisionnaires. Oui, pour rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, je rejoins assez ce que vient de dire Cécile. Le cœur, c'est finalement, effectivement, ces conseils d'administration, si on considère que c'est ceux qui doivent poser les orientations à long terme, la stratégie de l'entreprise, puis si on considère, parce que c'est un peu ça sur le papier, la réalité, parfois aussi, quand on discute avec les conseils d'administration de taille des entreprises, c'est qu'il y a une force aujourd'hui de l'équipe exécutive, donc directeur financier, directeur général, etc., de mener la stratégie avec des conseils d'administration qui sont très passifs et qui finalement, même s'ils étaient un peu plus conscients des enjeux, auraient encore beaucoup de mal à faire changer les choses parce qu'on les renvoie au fait que finalement c'est pas trop un problème, ils sont pas assez compétents, pas assez impliqués et que l'entreprise a sa vie propre qui ne les concerne que moyennement. Mais si on veut vraiment les changer, il faut changer leur dépendance aujourd'hui au marché financier. Donc à part aujourd'hui les administrateurs salariés, et les entreprises qui ont des capitaux, un actionnariat public qui fait qu'en général le gouvernement nomme des personnes parce qu'elles ont des services publics particuliers qui font à nouveau que c'est l'État qui va nommer des personnes. Sinon, souvent, c'est des gens qui sont élus directement par la communauté des actionnaires, qui vont être révocables par la communauté des actionnaires en assemblée générale et qui du coup sont dépendants de ça. Et même quand on les appelle indépendants, c'est un terme que vous avez beaucoup à voir quand vous regardez la gouvernance, le nombre d'administrateurs indépendants qui est considéré comme s'assurant que le conseil d'administration va mieux faire son travail, en fait, il va être indépendant en général de l'entreprise, des problématiques concrètes de l'entreprise pour essayer de le détacher de la gestion quotidienne, mais il ne va jamais être indépendant des actionnaires. Il va être indépendant peut-être d'un actionnaire qui serait trop majoritaire et qui écraserait les autres, mais pas globalement indépendant d'actionnaires. Même au contraire, plus il est indépendant, c'est plus si finalement son seul axe de vue, c'est le fait qu'il est un représentant global de la communauté des actionnaires et de l'intérêt financier. Donc ça, il y a un truc autour de la composition, et je pense que c'est vraiment compliqué à inventer, parce que c'est reposer la question de l'entreprise, qui a le droit de se prononcer sur à quoi sert l'entreprise, l'orienter, parce qu'il faut inventer un mécanisme. Je pense administrateur salarié, ça existe déjà, on peut faire augmenter la partie. Donc là, on a un mécanisme assez simple à étendre. Moi, je me demande si ça va être suffisant. C'est vrai qu'on parle souvent du cas allemand, mais en Allemagne, c'est en gros la moitié de la structure qui est l'équivalent du conseil d'administration. Après, il y a des modalités techniques qui font que c'est un peu différent en Allemagne, mais la moitié du conseil d'administration sont des représentants des salariés. Et de fait, on n'a pas le sentiment non plus que la prise en compte des questions d'intérêt social soit extrêmement différente dans la grosse industrie allemande que ce qu'on peut avoir en France. Donc je pense qu'il y a vraiment d'autres intérêts aussi que les intérêts salariés à faire monter au niveau de ce conseil. Et pour ça, il faut beaucoup plus, peut-être dans l'état actuel, faire dialoguer le conseil d'administration régulièrement avec ces parties prenantes. Moi, je pense qu'il y a une notion de la responsabilité qui est effectivement le côté juridique. Ce que je disais sur la PAC, finalement, on en a parlé, mais juridiquement, on n'a pas rendu les conseils d'administration vraiment plus attaquables sur les décisions qu'ils prenaient et plus responsables pénalement des orientations qu'ils mettaient à l'entreprise. Je disais, finalement, la contrainte n'est pas là, même si on a parlé. Et il y a peut-être d'autres champs de la responsabilité qui sont effectivement au niveau des ressorts réputationnels, d'avoir des gens en face qui nous demandent des comptes, leur répondre et d'être affectés par ça. Et là, il y a peut-être des mécanismes à créer avec peut-être le comité parties prenantes pourrait permettre ça, où vraiment on interpellerait les conseils d'administration en disant ces décisions, vous avez ça, pourquoi, comment ça a été fait. Et même si peut-être ils pourraient tenir une position d'assumer des choses complètement différentes, je pense que moi ça créerait une forme de pression auquel on les confronterait directement sur quelle base ils ont pris la décision, les conséquences que ça a face à des personnes. Soit qu'ils subissent directement, soit en tout cas qu'ils s'en fassent l'écho parce qu'ils ont ces préoccupations-là, et c'est l'idée un peu des comités pertinents qui vont être porte-parole d'enjeux identifiés, de préoccupations de terre. Et je pense qu'il y a quelque chose à créer autour de cette rencontre-là, et les comités de parties prenantes ne le font pas du tout dans ma connaissance aujourd'hui, où c'est des instances qui fonctionnent un peu à côté. De temps en temps, il y a un membre du conseil d'administration qui participe, mais souvent ça va plutôt être géré par une direction de développement durable, une direction de la communication, qui va faire remonter quelques résultats, quelques analyses agrégées, mais qui finalement ne va pas créer ce point de rencontre et peut-être un peu de.
de challenge, mais on va être peut-être un peu désagréable, mais utile dans ce côté désagréable envers les dirigeants d'entreprise, on va leur demander plus des comptes, quoi. Une modalité que j'ai vue parfois et que je trouvais intéressante, qui créait un peu plus ce lien, c'est quand justement le conseil d'administration, dans son cadre de travail, à des moments, il se posait des questions un peu d'orientation et de stratégie de long terme, exprimait à lui-même de dire, bah, nous, on a telle question qui aujourd'hui nous pose problème, nous fait affirmer une consommation, et on aimerait que le comité des parties prenantes s'en saisisse, travaille dessus et revienne nous présenter ses résultats pour une séance où il va dialoguer avec nous et nous poser des questions, nous présenter ses résultats et pour créer. Et ça, déjà, ça a créé une autre perspective qui aujourd'hui, finalement, ce qu'on vient, c'est un rapport des comités de parties prenantes qui s'est posé finalement des questions que le conseil n'avait pas trop lui-même exprimées et qui est un point d'information qui ne va pas vraiment changer sa perspective. Vous voulez rebondir ? Est-ce qu'on devrait intégrer les parties prenantes dans les conseils d'administration ? Moi, ouais, je pense que tout ce qui a été dit est juste. J'ajusterai juste un point, et je crois que tu allais l'évoquer, c'est celui de la formation. Au-delà de la composition de ces conseils d'administration, s'assurer qu'ils aient accès à la connaissance et au fond nécessaire. En réalité, c'est quand même de plus en plus rare, et heureusement, de tomber sur un climato-sceptique dur, en tout cas en Europe, dans un conseil d'administration. Par contre, c'est, je trouve, de plus en plus courant de rencontrer quelqu'un qui se dit convaincu par l'urgence du changement climatique et qui, en fait, n'en a pas perçu la profondeur, l'urgence et l'énormité. Et donc, le risque, c'est de trouver, rester sur la... les pauvres SUV, mais tant pis pour eux, pour rester sur cette même image, d'avoir un conseil d'administration qui est convaincu qu'effectivement, les SUV à essence, c'est pas possible, et que donc, il faut absolument développer le plus vite possible des SUV électriques, en étant convaincu que faire des gros SUV électriques, c'est sauver la planète. Mais le sont fondamentalement, c'est-à-dire que c'est pas des gens mauvais, mais parce que... voilà le niveau de connaissance des flux matières, des flux énergétiques, des ordres de grandeur associés n'est pas connu. Donc moi, c'est un point important de comment est-ce qu'on fait pour apporter ce fond-là, alors que les ordres de grandeur sont là aussi vertigineux. Il y a des outils qui existent, je pense qu'il y en a, j'en ai un juste à côté de moi, vous en êtes un, la fresque du climat en est un autre. Il faut les utiliser au maximum, encore une fois, quelle que soit la composition de ces conseils. Juste un chiffre pour, et c'est l'observatoire de l'RSE qui a pointé toutes les compositions des boards des grandes entreprises qui sont à 51% des gens spécialisés en finance. Donc, et un nombre très important, voire la quasi-totalité des boards des banques européennes n'ont aucune, parmi ces membres, aucune expertise climat. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi effectif, tout à fait ça, c'est des gens qui savent pas, enfin qui sont pour certains posés un peu la question, mais pas du tout sur un plan technique, et il n'y a pas ce sujet-là autour de la table. Et quand il n'y a pas ce sujet-là autour de la table, avec personne qui le connaît, bah oui, on peut sincèrement voir faire des bonnes décisions. C'était ma prochaine question. Est-ce que les administrateurs sont suffisamment formés ? Je pense qu'on a répondu. Est-ce que... Je peux dire quelque chose sur cet enjeu-là, parce que Moonworks on Board, c'est le cœur de ce qu'on fait. Un des horizons vers lequel on pourrait aller, c'est dire on va faire obligatoirement un certain nombre d'heures de formation justement des dirigeants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de manière fine, demain, il faudra savoir ce qu'il y a dans cette formation-là. Il y a Singapour, la place boursière au Singapour, eux, ils sont allés assez vite là-dessus et ils ont mis obligatoire à partir de l'an prochain, tous les membres de conseil d'administration d'entreprises listées sur la place boursière au Singapour devront faire une formation initiale minimale. Ça n'a pas été donné en nombre d'heures, mais en principe autour de l'environnement. Nous, en tant que Earth on Board, on essaye de voir comment on pourrait contribuer ça, à répondre à cette formation-là. Mais il y a un risque que, en fait, ce soit aussi répondu par de la culture générale un peu trop rapide, qui fait que les gens comprennent un peu mieux, justement, deux, trois choses sur le reporting, sur le climat, etc. Mais que ça soit répondu par des institutions qui sont... assez en défense du statu quo, du modèle comme il est aujourd'hui, qui répondent à ces formations-là, et que ça ne change vraiment pas leur préoccupation de dire oui, en fait, l'enjeu environnemental est vraiment très important, doit être intégré au milieu. Donc voilà, il faut vraiment faire attention qu'on peut très facilement mettre des heures de formation à ce public-là, répondu par ça pourrait être des cabinets de conseil, ça pourrait être d'autres personnes qui sont positionnées sur les questions de la formation,
qui vont passer plein d'heures avec eux, mais qui à la fin vont vraiment pas les amener à un niveau de conscience et de compréhension des enjeux qui soit utile. Moi, un risque que je vois par exemple là-dessus aujourd'hui beaucoup, autour de l'enjeu de climat en particulier, c'est qu'il y a cette notion maintenant qu'on annonce la neutralité carbone et non plus seulement les réductions d'émissions, de dire ben, en fait c'est qu'il y a un résiduel, on va le compenser. Aujourd'hui, dans les conseils d'administration, cette idée de est-ce que c'est pareil de émettre et compenser l'équivalent ou est-ce que c'est différent quand on a réduit de moitié puis qu'on a juste compensé la moitié, c'est pas clair pour eux. Et en fait, c'est vrai que c'est un enjeu un peu compliqué. Faut aller se poser la question sur le terrain de ça veut dire quoi la compensation, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est un volume illimité tant qu'on met de l'argent ou est-ce qu'en fait non, c'est très limité, il y a plein d'enjeux. Et eux, ils disent, mais nous, on n'a pas le temps. Eux, ils me disent que c'est possible. Il y a des gens qui sont venus leur présenter en leur parlant tout ça, en leur disant, mais à la fin, c'est simple, vous réduisez une partie, puis le reste, vous compensez. Bah, nous, on voit circuler au sein des conseils d'administration cette idée, mais que la compensation, c'est si facile, pourquoi s'embêter avec autre chose? On a résolu le problème tout de suite. Et il y en a plein, c'est peut-être de bonne foi aussi qu'on est venu leur présenter ça, et qu'effectivement, ils ne sont pas arrivés à un niveau pour voir le problème de ça. Et ça, on peut très bien faire une formation qui leur donne plein de connaissances, mais aboutit sur ça, et ça ne va pas changer leur positionnement à la fin et les décisions qu'ils vont prendre. Je voudrais dire deux choses. Le meilleur exemple qu'on va donner sur la compensation, c'est si c'est exact. La compensation, c'est à peu près quand vous insultez quelqu'un, en échange de trois insultes, vous lui dites trois gentillesses. En fait, les gens réfléchissent. Et pourquoi je dis ça? C'est que je pense qu'il y a aussi quelque part une déconstruction mentale qui est nécessaire. Et pour ça, je raconte souvent cette histoire. Donc, c'est un agriculteur de la région du Mans qui avait une très grande exploitation et qui la donne à ses deux fils en la partageant en deux. Et un de ses fils, très militant, décide d'engager la conversion en bio. Engueulade phénoménale avec son frère et avec son père. Mais son père lui dit que c'est n'importe quoi. Et il a dit, mon père, il s'est quasiment assis au bord du champ pour voir si le blé allait sortir. Il n'y croyait pas. Et donc, il a quasiment mis son pliant pour voir. Et quand il a vu que ça marchait, quand il a vu la démarche de son fils, etc., quand il savait d'ailleurs, lui, quelle était la toxicité des produits, puisqu'il était obligé de se protéger quand il épandait ses produits, ça a été très dur, en fait. Parce qu'il a dit, mais moi, on m'a toujours dit de faire comme ça. Parce qu'on lui avait appris au lycée agricole, parce que la chambre d'agriculture avait fait des formations, parce que le représentant de la coopérative lui disait ça, etc. Et que lui, il pensait faire bien. Et il pensait vraiment faire bien. Et il pensait pas faire du mal. Et que donc, c'était très dur pour lui de déconstruire ça. Et je pense qu'on a vraiment ça à faire avec une partie des dirigeants. Parce que j'ai fait un débat ce matin avec Luc Ferry. Honnêtement, c'était lunaire. Et je pense que... Non, mais je m'impose des trucs, il faut que j'arrête. Mais je voyais qu'il était en fait en... C'était comme une espèce de... Enfin, c'est vraiment le déni. En fait, le déni, c'est quand il y a un truc qui vous fait souffrir, le cerveau et votre psychisme fabriquent une espèce de petit refus de l'obstacle pour vous protéger. Ben, c'est à peu près ça. Et donc, je pense qu'à tous ces gens-là qui ont des enfants, qui doivent les aimer, ou des enfants qu'ils aiment, qui sont quand même normalement intelligents, qui ont un cerveau, qui réfléchissent, ils savent qu'ils sont en train de préparer. Et donc, ils créent un mécanisme où on se dit, ah bah tiens, oui, c'est vrai, on va faire comme ça. Ils ont que appris. Donc, il y a vraiment cette phase de déconstruction mentale de ce que peut être la sobriété. Et en fait, un modèle plus sobre, un modèle plus intense en emploi, c'est pensable en fait. C'est juste pas du tout ce qu'on leur a appris, pas du tout ce qu'on leur a demandé. Et donc, il y a deux options. Soit il faut absolument dégager tous les dirigeants actuels et les remplacer par d'autres, genre vous, mais ça c'est plus compliqué, soit faire ce travail de déconstruction. Et pour moi, c'est vraiment impératif. C'est pour ça que je parle de la contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment, un certain nombre de choses, voilà, il faut dire tout un tas de choses, c'est pas possible. C'est la parabole de la dosette de lait en plastique. Quand vous buvez du café au lait au bureau, bah, c'est pratique d'avoir des dosettes en plastique, vous avez juste la bonne dose. Et si vous devez gérer la bouteille, le machin, et qui plus est, si elle était en verre, qu'il faut aller la re-remplir, c'est compliqué. Mais tant que la dosette existe, vous êtes tenté par la dosette. Il faut juste qu'elle n'existe plus. Et donc moi, je ne suis pas pour qu'on supprime tout, mais il y a un certain nombre de choses. Le plastique jetable, on sait l'impact du plastique jetable. Donc il faut que ça s'arrête, c'est tout. Il faut que ce soit plus possible. Et c'est pareil avec l'avion. Je pense qu'il y a un certain nombre de trajets, bah, s'ils sont plus possibles, les trains de nuit vont devenir beaucoup plus confortables. C'est mathématique. Et etc. Donc je pense vraiment ça, qu'il faut qu'on change cet environnement-là, parce que ce sera même plus confortable pour tout le monde. Déjà, ça mettra tout le monde à égalité, mais ça évitera de se réfugier dans d'anciens modèles, dans d'anciennes façons de faire, dans d'anciennes façons de voir. Peut-être et après on avance, je vous promets, mais... parce que c'est vrai qu'on aura peut-être notre même conférence. Il y a un paradoxe, en fait, qui est que plus on parle de ces sujets-là, plus ces sujets-là font l'actualité, moins les gens le comprennent. Ou plus on ancre
comme vous l'avez dit, des fausses bonnes idées, des espèces d'illusions dans la tête des gens qui veulent bien faire. Et je pense en particulier à des concepts qui en plus sonnent bien comme la biomasse. La biomasse, il y a bio dedans, c'est bien. Bioénergie, c'est des énergies mais c'est bio. Et donc on crée des espèces de concepts que les gens, dont les gens s'emparent pour dire « Ah non, bien sûr, je continue à consommer du gaz, mais vous inquiétez pas, c'est du biométhane, donc tout va bien. C'est la même molécule, c'est autant de CO2 dans l'atmosphère, avec des conséquences sur la biodiversité en amont, etc., qu'on ne décrira pas. Mais quand on a créé ces concepts, qui en plus sonnent bien et qui sont associés à un bon critère ESG ou à une stratégie durable, eh ben en fait, de bon revenu, on a presque reculé par rapport à avant. Donc, c'est le mot déconstruction qui résonne parfaitement. Il faut déconstruire ça, ou que paradoxalement, ces concepts que paradoxalement sont apparus et qu'on a enterrés dans l'esprit des gens en parlant de climat et en parlant mal de climat. Merci. Pour avancer un petit peu, on va parler de rémunération. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. La rémunération des dirigeants, en tout cas d'entreprises cotées, elle est composée de trois parties généralement, une partie fixe, une partie variable et une partie d'intéressement. La partie fixe, aujourd'hui aucune réglementation n'oblige à avoir des indicateurs extra-financiers. Pourtant, presque la totalité des sociétés du CAC 40 en ont. Néanmoins, nous on a essayé de le regarder en interne au sein du collectif, on a vu que seulement 6% des indicateurs étaient concernés les enjeux environnementaux. Il y a deux gros problèmes à cela. D'une part, ils sont souvent noyés, les enjeux environnementaux sont souvent noyés dans les autres enjeux ESG. Et d'autre part, les critères sont souvent très peu pertinents, assez flous, facilement atteignables, et ils ne vont pas entraîner de changement structurel de l'entreprise ou de la stratégie d'une entreprise. Et donc la question ici, assez simple, est de savoir est-ce que le régime de rémunération est suffisamment adapté pour renforcer la performance environnementale et sociale des entreprises, et sinon comment faire pour avoir un système de rémunération beaucoup plus important. Bah, vous l'avez déjà fait l'analyse. Moi, je pense qu'ils sont bons, hein, ce qu'il faut voir sur la rémunération, c'est que ça a vraiment été, et Cécile l'évoquait, un des outils qu'on a utilisés depuis, je ne sais pas, c'était précisément, mais de manière plus renforcée encore depuis les années 1970, pour vraiment rendre les dirigeants alignés sur l'intérêt de l'actionnaire et des intérêts plutôt court terme, parce que ces plans, ces parts variables, ils sont souvent évalués annuellement et parfois même avec des subdivisions de résultats intermédiaires. Donc ça a été l'outil très fort pour essayer au maximum des actionnaires qui voulaient un moment où tout le débat de la gouvernance d'entreprise, d'ailleurs dans le monde anglophone, encore plus qu'en France, on continue de le penser comme ça, quand ils pensent gouvernance d'entreprise, c'est uniquement la pratique de l'interaction entre les actionnaires et la direction de l'entreprise. Et eux, ils voient la gouvernance beaucoup comme comment on s'assure et on développe une administration qui permet de s'assurer que les exécutifs, qui se mettent à avoir plein de pouvoir, plein d'importance, parce qu'ils sont dirigeants de grosses boîtes, qui comptent, etc., ils ne se mettent pas à poursuivre des intérêts propres qui seraient pour leur propre valeur personnelle ou plutôt leur plaisir de la position sociale, de pouvoir que leur apporte l'entreprise des richesses par rapport à ce qui serait la défense de l'intérêt de l'actionnaire. Et c'est vraiment historiquement ça la grande problématique. Et les outils qui ont été développés comme l'admiration, c'était des actionnaires qui voulaient s'assurer que les dirigeants exécutifs n'aillent pas dans des intérêts propres qui seraient un peu différents de celui de rendre de l'argent à l'actionnaire. Même c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. Hein. Rendre l'argent, c'est pas toujours vraiment le capital investi initial en courant, c'est souvent bien plus dans la durée. Donc moi, la rémunération aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit un levier vraiment fort et efficace pour transformer les choses. Là où je vois qu'il y a des rémunérations qui sont peut-être intéressantes dans leur dynamique incitative, c'est dans des boîtes qui avaient déjà, pour bien d'autres raisons que la rémunération, commencé à engager un travail fort sur la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. D'ailleurs, souvent, ce qui s'est passé, c'est une rémunération de l'enveloppe globale des grands dirigeants, une réflexion très large sur la rémunération, bien plus que juste la part environnementale et sociale. Je pense qu'un dispositif un peu obligatoire autour de ça, ou qui va vraiment l'augmenter, permet trop en fait de tomber dans ces choses-là que vous avez vues, où on met un peu ce qu'on veut, on peut mettre 20%, ça ne change pas trop. Moi, mon autre positionnement avec Earthson Board et notre combat, c'est beaucoup plus comment on coupe la part variable indexée sur les résultats financiers à court terme, qu'on en rajoute une sur les aspects environnementaux et sociaux.
Et nous, d'ailleurs, là-dessus, côté conseil d'administration, on est assez drastique. Tous les membres de conseil d'administration qui n'ont pas des fonctions exécutives ne devraient avoir zéro rémunération, zéro système d'action obligatoire, enfin, zéro mécanisme d'alignement, justement, sur le cours de bourse. Et même pour nous, pour la rémunération des dirigeants, ils devraient être que sur des objectifs opérationnels, dans lesquels il y a des objectifs économiques, peut-être de part de marché, peut-être de développement de nouvelles activités, etc. On devrait enlever effectivement tous les indicateurs purement boursiers, purement actionnariaux, de la rémunération des dirigeants. Beaucoup plus ça le combat que mettre une part environnementale et sociale aujourd'hui supplémentaire. Alors, moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Antoine, d'autant que cette augmentation de la part variable, qui est de l'ordre de 67% aujourd'hui, hein, des rémunérations indexées sur les résultats financiers, c'est doublé d'une augmentation très importante de la rémunération des dirigeants. Il faut savoir qu'en 1989, le patron de Peugeot, Peugeot venait d'annoncer qu'il gelait les salaires dans l'entreprise, fait scandale parce que sa feuille d'impôt est publiée et qu'il gagne 36 fois le salaire moyen d'un ouvrier de chez Peugeot. 36 fois. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines l'écart. Plusieurs centaines entre le dirigeant. Et donc, il y a eu cet alignement sur les intérêts des actionnaires qui s'est d'ailleurs... qui a favorisé aussi une distribution massive de dividendes au détriment de l'investissement. Donc on est vraiment dans un système qui dysfonctionne totalement. Et on a sorti un rapport hier, donc qui fait beaucoup parler, ça me fait beaucoup rire, parce qu'on est attaqué de façon brutale en disant que notre méthodologie est débile. Et moi j'aime bien, parce que quand on dit ça, c'est qu'on a quand même mis le pied dans la fourmilière. Pourquoi on a simplement affecté aux propriétaires des actions des grands groupes, et notamment aux propriétaires privés, donc aux milliardaires français, les émissions de leurs actions dans le groupe principal qui est le leur? On n'a même pas... pour Gérard Mullier et sa famille, affecter Decathlon, etc. On s'est concentré sur Auchan. Évidemment, le rapport montre du coup que 63 milliardaires émettent autant que la moitié de la population française. Et pardon, mais c'est pas n'importe quoi en fait. Ça sert à rien de brailler sur la méthodologie parce que ça dit quelque chose. Ça dit qu'en fait, si ces actionnaires ont une rentabilité très importante pour une production qui est une production très émettrice de gaz à effet de serre, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à la faire diminuer. Du coup, comme les dirigeants sont alignés sur les intérêts des actionnaires, tout le blabla autour de l'entreprise citoyenne, de tout ça, est fondamentalement affecté. C'est-à-dire que, en fait, nous, notre sujet, c'est de se dire où sont les sources majeures d'émissions, et on sait qu'elles sont dans un certain nombre d'entreprises et au niveau de la production, et comment on arrête de taper sur les consommateurs en disant « mangez mieux, mangez ci, mangez ça », mais qu'on s'attaque à la production. C'est-à-dire que si on arrête de produire, c'est la soirée des SUV, il ne s'agira plus de culpabiliser ou de malotaxer les acheteurs de SUV. Ils n'achèteront plus de SUV. Et comme il n'y aura plus de SUV, il n'y aura pas l'envie d'avoir un SUV pour avoir les fesses un peu plus hautes que les voisins qui roulent en Twingo. Donc c'est vraiment cette logique-là. Et donc rattacher les émissions à ceux qui ont la capacité de décider qu'elles existent, c'est quand même les producteurs, en tout cas ils ont la capacité de décider qu'elles peuvent baisser. C'est un exercice, donc un exercice nouveau pour nous, qui est l'exercice d'après d'un exercice qu'on a mené sur les banques et les choix d'investissement des banques, c'est de dire remontons d'un étage pour voir qui décide. Et là on se rend compte qu'en fait il y a peu de personnes qui décident, parce que ce système-là il repose sur peu de personnes, sur les dirigeants des entreprises, et sur leurs actionnaires. Et dans certains groupes, les actionnaires sont très très largement majoritaires, donc ils ont une capacité de décision et d'orientation très importante. Donc c'est pour ça, et vous pouvez rajouter 2-3 parties prenantes avec la famille Mulliez, ça ne va pas changer le bassin. Donc je suis très contente parce qu'en fait, je pense qu'on a mis le doigt sur un des problèmes, c'est qui décide, et qui peut décider, et qui peut le faire en sincérité. Et aujourd'hui, ce n'est pas les dirigeants des entreprises dans ces groupes qui sont détenus par des actionnaires, ce sont les actionnaires qui ont noué ce pacte avec les dirigeants. Et donc on pense qu'il faut absolument faire craquer cette question. Et pour tout dire, quand on a publié le rapport sur la rémunération des patrons du CAC 40, on le fait relire à des gens qui sont aussi des membres du CAC 40, et certains d'entre eux, et dont un, j'ai été très surprise, m'a dit « Franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. » Ok, ça, je suis habituée. Il faut interdire la rémunération variable. Il ne doit plus y en avoir, en fait. Vous avez une mission qui est de diriger l'entreprise, vous le faites bien, si vous ne le faites pas bien, bah, vous êtes viré. Mais cette part variable, elle fait que la stratégie que vous mettez en œuvre en tant que chef d'entreprise n'est pas forcément la stratégie de l'entreprise, mais la stratégie qui va maximiser vos propres intérêts. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et lui nous a dit, en fait, il faut dire qu'il y a des objectifs et qu'un salarié doit tenir ses objectifs, un PDG ou un DG aussi, et puis c'est tout. Et il n'y a pas cette part variable qui est forcément créatrice de trucs tordus.
Et vu le niveau de rémunération, il a rajouté, je pense que vu le niveau de rémunération, même de la part fixe, ils s'en sortiront. Il était concerné lui-même par cette part variable. Je ne pourrais pas dire quel était le montant de cette part variable qu'il avait gagnée, mais il m'a beaucoup rafraîchi parce qu'il m'a aussi montré, c'est pour ça que je parlais de déconstruction, qu'un certain nombre de ces mesures-là, si elles sont prises, elles seront acceptées par les acteurs parce qu'ils savent au fond d'eux que c'est déconnant. Ah, ils vont hurler comme des putois, mais au fond d'eux, ils savent que c'est déconnant. Et l'ancienne ministre que j'ai été, sur la régulation des professionnels de l'immobilier, ils n'étaient pas du tout contents. Ah, ça, c'est, ils n'étaient pas du tout, ils ne sont toujours pas contents. Mais ils savaient très bien que quand même, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer, c'est que je pense qu'une grande part d'entre eux sont conscients que sans ça, ça ne marchera pas. Et donc, ils crieront, mais cette régulation, finalement, elle sera bienvenue et soulageante pour une grande partie d'entre eux. Sur la part variable et la ligne des intérêts. Alors, vous aviez fait l'analyse, et puis ensuite, la panéliste a réussi à la commenter, mais brillamment, donc ce sera compliqué d'ajouter. De mon point de vue, je vais aller dans la même direction. C'est un peu un faux débat. Je doute de l'efficacité de la mesure. Parce que, des points de vue plus ou moins cyniques, mais je ne suis pas certain que des dirigeants vont vraiment piloter leurs décisions au quotidien sur les 10% de parts variables de plus qu'ils vont garder, que par ailleurs, ils pourront toujours, s'ils sont mal orientés, je dirais, manipuler, compte tenu de la complexité de ces labels, de ces critères, etc. Et troisièmement, la plupart de ces dirigeants n'ont pas vraiment besoin d'argent, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup, beaucoup d'impact. En revanche, je pense que, autant, puisqu'on pose l'idée sur la table, autant aller un cran plus loin, se dire comment est-ce qu'on fait pour que l'entreprise ne puisse pas faire du profit si elle consomme de manière immodérée du CO2 ou des ressources naturelles. Donc il faut plutôt, de mon point de vue, réfléchir à comment est-ce qu'on intègre dans la comptabilité des entreprises, au-delà du capital financier, un capital naturel, sur les ressources en biomasse que l'on consomme, sur les émissions de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, etc. Au même titre que la valeur économique qui, elle, est comptabilisée et sur laquelle est basée calculée la rémunération variable, autant intégrer cette richesse naturelle qui est consommée, détruite, dans la comptabilité en amont. C'est plus compliqué, mais de mon point de vue, peut-être plus porteur d'impact. Voilà, pour répondre. Merci. Pour passer à la deuxième partie de la conférence sur le reporting, on voulait parler de reporting parce que c'est aujourd'hui la façon dont les entreprises communiquent sur leurs implications environnementales et sociales. Et c'est aussi un des fondements de leur politique sociétale. Et donc notre première question ici, et peut-être pour vous Frédéric Joubert, serait de savoir comment les reportings sont utilisés dans les entreprises, très concrètement, et est-ce que ça peut vraiment être des leviers d'action pour changer structurellement une entreprise interne. Alors je vais sans doute vous surprendre, mais ce reporting et ces critères me font très peur. C'est difficile de s'y opposer. Le fait de vouloir mesurer, de vouloir standardiser, objectiver la performance environnementale en entreprise, c'est difficile d'être contre. La réalité, c'est que ça a quand même un certain nombre d'effets pervers dont il faut se méfier. Le premier effet pervers, c'est que assez souvent, ces critères sont basés sur une logique d'exclusion. Celui-là, on pourra en débattre, mais une logique d'exclusion qui est de dire... Il y a des secteurs qui sont, je caricature, mais malheureusement c'est un peu ça, des secteurs qui sont mauvais, des secteurs qui sont bons, des secteurs qui sont très émissifs, des secteurs qui sont moins émissifs. Et donc, si moi, banque, moi, société d'investissement, moi, épargnant, je veux pouvoir faire un reporting extra-financier qui est positif, eh bien je dois retirer des encours des sociétés émissives vers les sociétés moins émissives. Parce que la réalité, c'est que les sociétés émissives sont celles à faible marge, celles qui sont... je dirais en amont de la production, mais c'est une société dont on aura quand même du mal à se passer. On aura du mal à se passer de ciment, en tout cas à très court terme. Et même, je le dis, mais on aura du mal à se passer de pétrole, à fortiori de gaz, à très court terme. Bien sûr qu'il faut s'en désintoxiquer, mais la réalité, c'est que demain, on en a besoin. L'année prochaine, encore un peu. À l'inverse, on peut se passer de luxe tout de suite. Et la réalité, c'est que vous comparez les reportings extra-financiers ou la performance sur de n'importe quel critère d'une société cimentière, Vicat, Lafarge-Elsim, tout ce que vous voulez, ou la manière dont ils sont
décrit, en tout cas dans ces critères-là, avec hein, une société du luxe, un Kering, un L'Oréal, un LVMH, etc. Et ben, les vertueux, ce sont les deuxièmes. Et moi, ça me pose une question, parce qu'en réalité, les secteurs dont on a besoin pour faire tourner, je dirais, pour nourrir, chauffer, loger, transporter les citoyens, et celles qui ont besoin de moyens pour se transformer rapidement en utilisant d'autres technologies, en réformant leur outil de production, etc., ben c'est celles que l'on, quelque part, on va exclure du domaine économique. Donc je trouve que c'est un peu une illusion. Le deuxième effet pervers, et on pourra en débattre aussi, et je vais me permettre d'emprunter une expression de Madame Duflo. Oula. Faut pas faire ça, Je tente. C'est qu'elle crée un objet de diversion du débat public. Puisque on va se battre sur Greenfin, c'est le nucléaire, il n'y a pas le nucléaire, on devrait remettre du nucléaire, il y a la biomasse, on devrait remettre la biomasse, etc. Donc chaque critère, on pourra débattre très longtemps du poids de tel critère par rapport à tel autre, du périmètre, du modèle de scoring qui est derrière, de la manière dont c'est reporté, calculé, etc. Et la réalité, c'est que, en fait, ces labels cachent un peu le problème, parce qu'ils donnent l'illusion qu'il est possible de verdir nos modes de vie. Il donne l'illusion qu'on peut réaliser la transition sans rien changer. Oui, je continue à rouler en voiture, mais c'est la sous-forêt des SUV, donc mon SUV est électrique. Oui, je pars en vacances en avion, mais j'ai pris l'option à 12 euros pour compenser mes émissions. Bon, je m'arrête là, mais vous avez compris l'idée. Donc, on crée en fait des objets qui nous donne l'illusion qu'il est possible de réaliser la transition sans changer fondamentalement notre mode de vie. Ce qui n'est pas possible, parce que vous voyez bien que ce raisonnement il est possible à l'échelle individuelle, peut-être qu'effectivement un individu peut planter suffisamment d'arbres pour partir en vacances aux Baléares en avion, mais que ça ne marche pas à l'échelle d'un pays, a fortiori à l'échelle de la planète. Et donc j'ai peur qu'on rate le sujet. Donc on a des discussions en interne très fortes, je vais me permettre de citer un collègue que je respecte beaucoup, mais je crains que l'ESG, ça soit mauvais pour la planète. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu cette idée-là, parce qu'en fait, en se chiffonnant sur des questions de comptabilité, on en perd la question centrale, qui est celle de comment est-ce qu'on transforme notre manière de vivre. Alors, moi, je voudrais répondre parce que je suis d'accord avec un bout et pas d'accord avec l'autre. C'est-à-dire que si on doit transformer notre manière de vivre, moins émettre et puis respecter la biodiversité, Faut le mesurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester aux bonnes intentions. Parce que si on en reste aux bonnes intentions, Total a annoncé sa neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'il va reboiser, il va continuer ce qu'il fait, mais il va reboiser deux fois le Royaume-Uni, les arbres les uns sur les autres. Enfin, voilà. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Mais il faut quand même à un moment savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire quel écart il y a entre le discours et les actes. Et là où je suis complètement d'accord, c'est que, bien sûr, et d'ailleurs dans notre rapport, les trois entreprises, enfin les trois actionnaires qui émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est Lactalis, c'est Muliez et Auchan. Pourquoi j'ai un truc avec le troisième? Je crois que je suis vraiment fatiguée. Ça va me revenir. Et le quatrième, c'était Vika. Et donc oui, on a besoin de ciment. Mais ce qu'on demande, nous, c'est pas d'exclure ou de dire oh, il faut investir que dans cela. Ce qu'on demande, c'est que sur la base de ces critères, on ait des trajectoires. On ne demande pas à Vika d'être aujourd'hui parfait, ni à Total. On leur demande d'avoir des trajectoires qui font évoluer l'activité de leur entreprise. Alors, il y en a certaines, elles pourront être par des techniques de production différentes, par une autre organisation avec un rapprochement lieu de production, lieu de consommation, par le recyclage. Ça pourrait être à peu près des métiers similaires, mais produits différemment. Et d'autres, comme l'extraction des fossiles, ça devra s'éteindre et changer d'activité. Mais ça, quand même, c'est l'histoire des entreprises, hein. Nokia, c'était une entreprise de bottes en caoutchouc qui s'est mise à faire complètement autre chose. American Express, c'est une belle histoire. American Express, c'était une entreprise de diligence. Ils traversaient les États-Unis. Puis après, ils ont vu qu'il y avait un truc à faire, c'était du transport de fonds. Donc, ils sont mis à faire des diligences qui transportaient des fonds. Et après, ils se sont dit, poup, 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 c'est en train d'évoluer. Et ils sont passés à la monnaie dématérialisée. Donc, les entreprises, ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tuer certaines entreprises, il s'agit de dire, en fait, il y a des trucs que vous ne pourrez plus faire. Mais Air France, c'était une entreprise très vaste, qui avait une chaîne d'hôtels, qui avait plein d'autres activités, qui ne faisait pas que de l'aviation. Mais il y a eu la folie
je ne mets pas en cause les prédécesseurs, vos prédécesseurs, de dire core business, on se focalise sur une seule activité. C'est l'ancien patron de Gobain, Jean-Louis Beffa, qui racontait très bien le fait qu'ils avaient des usines de bouteilles. Mais un jour, les analystes financiers ont décidé qu'en fait, il fallait faire soit du verre plat, soit du verre creux. Le verre plat, c'est les vitres, le verre creux, c'est tous les contenants, et pas les deux. Et donc, il a dû vendre ses usines de bouteilles. Et bien, il disait mais que c'était un peu con, parce qu'en fait, elle fonctionnait bien, elle produisait des bouteilles, il vendait des bouteilles. Mais voilà. Et donc, cette question de la prédominance de l'analyse financière, et puis parfois de certaines lubies, hein, la rationalité très rationnelle de certaines de ces décisions, moi, permet de dire qu'on peut la remettre vraiment en question. Donc le vrai sujet, c'est avoir des critères qui permettent d'avoir une trajectoire engageante et de juger que cette trajectoire est bonne. C'est vraiment ça l'objectif. C'est pas de dire qui est bon, qui est méchant, c'est de dire quelle trajectoire. Et j'allais dire que s'il y avait cette trajectoire sur des entreprises automobiles, par elles-mêmes, elles aboutiraient à la conclusion assez logique de ne plus faire de SUV. C'est-à-dire que si c'était ça, ce qui capait la décision stratégique, eh ben, elles aboutiraient à ça. Et donc je pense que c'est à ce titre-là que c'est important. Ensuite, ce qui est souvent opposé, c'est de dire « Ah, mais c'est aléatoire comment on mesure les émissions. » Alors, pour avoir travaillé dans des entreprises, bien sûr que pour tout le monde, les comptes, c'est très très solide. C'est très très vrai, c'est des chiffres, mais tout le monde a bidonné des règles d'amortissement, a minimisé, reporté de l'année N à l'année N plus 1 tel et tel truc pour diminuer. Enfin, tout le monde s'est bidouillé des chiffres. D'ailleurs, il y a des entreprises qui savent faire ça très bien, optimiser fiscalement. Donc c'est aussi peu juste que la capacité de faire du reporting, ce qu'on appelle aujourd'hui extra-financier, mais qui pour moi est aussi nécessaire et qui sera aussi difficile à évaluer. Bah, il y aura l'équivalent de la Cour des comptes, mais qui... travaillera sur l'extra-financier pour le public, et puis il y aura la même chose dans le privé, ça fera encore de l'activité pour les cabinets d'expertise, et ce sera bien parce que ça permettra quand même de mettre un peu les choses au carré, pour dire aujourd'hui l'entreprise Auchan considère qu'elle émet 3 millions de tonnes par an, si je ne me trompe pas, Carrefour c'est 110. Il y a un truc. C'est-à-dire que les règles utilisées ne sont pas les mêmes, etc. Mais j'ai une anecdote encore plus drôle, je ne peux pas dire le nom de l'entreprise, mais pour parler du rapport dont je parle, on a une entreprise qui nous avait envoyé des données, qui étaient des données très importantes, donc ils étaient en tête de notre classement. On leur avait répondu en disant, on trouve que c'est quand même vraiment lourd les chiffres que vous nous avez... Est-ce que vous êtes sûr? Vous nous avez dit ça, 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 ça. Merci de confirmer. On a un mail qui nous confirme en tout point qu'effectivement, ce sont les bons chiffres. Et puis, on leur a envoyé le rapport, parce que nous, on est toujours fiers. Donc, on a envoyé le rapport jeudi dernier en disant, voilà ce qu'on va publier, enfin, la partie qui concerne votre entreprise. Et le vendredi à 19h, on a reçu un mail clignotant panique en disant, oh, oh, on s'est trompé dans les chiffres. C'est pas du tout ça. On a confondu millions et milliers. On parle d'une très grande entreprise, très, très, très sérieuse, très, 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 où on est capable de confondre millions et milliers en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de tonnes. Donc, c'est pour dire qu'il y a encore un peu de chemin à faire sur la prise en compte sérieuse de ces sujets et qu'il faut que ce soit au même niveau que les obligations financières. Un autre point là-dessus, c'est la thématique de reporting. Enfin, le reporting, c'est donner de l'information sur ce que sont les impacts de l'entreprise sur les différents enjeux sociaux. Et derrière la dimension de la ESG, du choix des acteurs financiers, mais finalement, plutôt dans la thématique, que les acteurs financiers, dans leur choix de décision, intègrent des informations sur les entreprises. Et donc, ça dépend ce qu'on entend à reporting. Mais c'est vrai que moi, souvent, le reporting, ce que je vois, c'est la dimension obliger l'entreprise à donner ses résultats et peut-être avec parfois aussi sa chaîne de valeur sur ses impacts en métiers sociaux. Donc c'est plutôt là où l'on est à l'instant présent. Alors je pense qu'effectivement, les critères importants dont on doit tenir considération quand on est une entreprise, c'est pas seulement le moment T, mais c'est plutôt par une perspective de décarbonation, de transformation des activités, avec des critères d'utilité, avec des critères d'adaptabilité, on va dire, de l'entreprise par rapport à des évolutions à venir. Qu'est-ce qu'on en pense? Et la notion de où elle en est à l'instant T, quelles sont ses émissions, gaz à effet de serre, etc., c'est pas forcément le bon critère par rapport à ce qu'elle me paraît être dans les technologies, dans la manière de faire, dans les secteurs qui sont pertinents par rapport à l'enjeu environnemental, au fait qu'on va devoir un peu faire des priorités parmi nos choix de consommation, etc. Et l'autre aspect que nous, on voit qu'il y a un vrai défaut aujourd'hui avec le reporting au vu des conseils d'administration et des décideurs d'entreprise aussi des comités exécutifs avec lesquels on discute,
c'est que des bonnes entreprises ont su faire un très bon reporting. C'est-à-dire gagner plein de points, gagner plein d'images, être très bon dans les comparaisons avec leurs concurrents parce qu'elles donnaient plus d'informations, plus fines, on avait un niveau de détail plus proche, là où les autres faisaient des produits en croix sur des masses globales, eux, ils avaient pris un cabinet qui les avait accompagnés à vraiment aller reporter l'information exacte de leurs fournisseurs, etc. Et à la fin, ils sont retrouvés à être mis beaucoup plus en avant, mieux valorisés, et du coup avec des investisseurs qui, sur cette base-là, leur donnaient plus de poids comme des entreprises meilleures sur le plan environnemental et social. Donc, en fait, au niveau des activités, ils faisaient rien de mieux que leurs concurrents. Ce qu'ils faisaient juste mieux, c'était être allé plus loin dans l'effort, l'argent mis pour venir mettre des chiffres plus faciles, plus auditables, plus robustes, plus détaillés, sur plus de sujets environnementaux et sociaux que leurs concurrents. Et ça, c'est peut-être un peu en train d'évoluer, mais ça existe encore, où finalement, on se concentre plus sur est-ce qu'on est capable de répondre à une question précise, ces enjeux, que est-ce que par rapport aux enjeux qui seraient vraiment importants et qui nous concernent en tant qu'entreprise, on est en train de faire le bon travail dessus. Ça a vraiment été un très fort défaut du reporting dans les dernières années, qui est un peu en train d'être corrigé, mais qui, je pense, est encore un défaut que nous voit. Et nous, il y a une slide de nos présentations au Forum Conciliation, on leur dit « Attention, un bon reporting climat n'est pas une bonne stratégie climat. » C'est vraiment deux trucs différents. Et vous, conseil d'administration, le reporting, vous devriez quasiment pas passer de temps dessus. Vous devriez travailler sur la bonne stratégie climat et dire à votre exécutif « Et en plus, je veux qu'on ait le bon reporting au niveau, mais c'est pas là-dessus que vous devez passer du temps. » Pourtant, c'est ça aujourd'hui. Je rebondis sur par rapport aux missions de conseil. Les missions de conseil dont l'objectif est de faire la stratégie ESG d'une entreprise. Pour nous, ça n'a pas de sens. Faire la stratégie ESG d'une entreprise, il y a effectivement des cabinets de conseil qui vont aider sélectionner plutôt ce critère, sélectionner plutôt ce label-là, parce qu'en plus, ils valorisent l'ancienneté des dirigeants, et comme vous avez dirigé Jean-Michel l'année dernière, bah, du coup, vous avez gagné 2 ans. Littéralement. Donc ça, c'est vraiment très mauvais, et pour le coup, je préfère qu'on discute de raison d'être. Plutôt qu'on manipule des labels. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'en aurai encore une tonne, mais on voulait vous laisser le temps au public pour poser quelques questions. On peut peut-être... On a des micro, du coup. Ça se fait à main levée, on parle intelligemment, mais je pense que... ça allait un peu. Du coup, je te laisse poser la question. Merci. Merci pour vos échanges et vos propos. Très intéressant. J'ai une question pour Mme Sylvie-Flo. Sur le rapport d'hier qui a fait Laurent Bruy, vous avez dit que l'entreprise Vika était 4e, je crois, de ce classement-là. Mais ça marche aussi pour la famille Mulier, Zéochamp, etc. Je m'intéressais à la structure de l'actionnariat d'une entreprise et à des modèles qui seraient plus ou moins vertueux. Et on voit que par la méthodologie de votre rapport, comme c'est l'entreprise principale de ces grandes familles d'actionnaires, il met en avant des entreprises qui ont un actionnariat familial plutôt que des entreprises qui auraient des actionnaires cotés ou d'autres types d'actionnariat. Et même si je ne remets pas en cause la qualité du travail de votre rapport... Vous pouvez. Le but, c'est que ce soit discuté. Hein. C'est pas parole d'évangile. Hein. Je trouvais ça intéressant de se dire si ces entreprises-là, comme Vika, qui sont... je ne connais pas bien le monde du ciment, mais Vika semble un peu plus vertueuse que Lafarge, par exemple, dans la recherche de technologies plus bas carbone dans le ciment. Si finalement, des structures actionnariales familiales sont pas plus propices à des changements un peu structurels de leur business, puisqu'elles sont plus sur le long terme que des actionnaires des fonds d'investissement ou d'autres types d'actionnariats. C'est justement parce qu'on pense qu'il y a plus de clés. En fait, nous, on travaille sur la question des inégalités et sur la question du climat, et sur les moments où ça se croise. Et la situation des milliardaires français qui se sont beaucoup enrichis pendant la pandémie, c'est notre rapport d'avant, du fait de mesures issues des institutions publiques, c'est pas un hasard et c'est pas une embellie de l'économie, ont une responsabilité particulière. Et donc on a essayé, c'est comme ça qu'on a creusé, on n'est pas parti avec un a priori, et l'idée n'est pas de dire « Ah bah tiens, s'ils avaient éclaté leur actionnariat, ils pourraient faire des trucs plus dégueux, vous les verriez moins », c'est de dire « Bah eux, ils bénéficient d'un microclimat très favorable quand même, et ils ont une capacité d'action. » Parce que si actionnaires-là, justement, avec la capacité et l'ampleur des manettes de décision qu'ils ont sur leurs entreprises, décident d'engager la transition, ça peut aller très vite. Et ce qu'on montre, c'est que c'est encore
loin d'être le cas. C'est ça qu'on montre. Et qu'il n'y a pas du tout d'engagement sur une trajectoire. Je le redis, hein, nous, l'idée, ce n'est pas que les gens deviennent du jour au lendemain absolument parfaits. On sait de quel monde on part. La question, c'est celle de l'horizon. Et ça ne veut pas dire que nos propositions, c'est que toutes les entreprises aient un scénario, c'est pour ça qu'on souhaite une forme de reporting, aient un scénario d'obligation de se conformer à l'accord de Paris. Et notamment les banques, par exemple. Et avant, on a travaillé sur les banques qui n'ont pas du tout d'actionnariat, enfin, sauf une ou deux, un actionnariat familial. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer de toucher chacun des acteurs, pas de dire eux ils sont plus méchants ou ils sont, c'est de dire eux ils ont la capacité d'agir. Regardez qui a la capacité d'agir, et c'est de sortir de cette logique de fatalité ou de culpabilisation des consommateurs. Une autre des reproches qui nous a été fait, c'est de dire ah ben comme ça vous exonérez tous les consommateurs. En fait, s'ils consomment chez Auchan, c'est pas eux qui émettent, c'est la famille Mullier. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'en revanche, ce que la famille Mullier met à disposition, la façon dont elle gère ses approvisionnements, a un impact très direct sur les choix qui sont offerts aux consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'a très bien montré Carbone 4, si tout le monde était absolument exemplaire dans ses pratiques de consommation, de transport, etc., on atteindrait 25% de nos objectifs d'émissions de gaz à effet de serre. 75%, c'est nécessite des politiques structurelles. Et ces politiques peuvent être menées par la puissance publique, par le gouvernement, par les collectivités locales, mais aussi par les entreprises. C'est-à-dire que nous, on n'exonère pas l'entreprise qui offre un certain nombre. Voilà, s'il n'y a plus de SUV en vente, en fait, on ne va plus acheter de SUV. Et donc, pour ça, il y a deux clés. Il y a soit les entreprises qui décident de ne pas le faire, il y a soit la clé de la puissance publique qui décide par la réglementation ou par la législation d'interdire un certain nombre de choses. Et il nous semble que cette obligation qui pèse sur les entreprises de s'aligner sur les accords de Paris, elle n'est pas du tout, je le disais, 13% des entreprises, c'est très très peu. Donc on a absolument la nécessité de les faire bouger, et de faire bouger celles qui pourraient bouger très vite. Parce que là, elles ont justement des capacités de décision de la part des actionnaires qui sont très efficaces. Et sur la question des familles, je pense qu'effectivement, ce qui ressort, c'est que ce qui est bien, je ne suis pas pour dire qu'il faut que c'est des familles qui détiennent toutes les entreprises, parce que bon, c'est aussi de la concentration, c'est sûr, de pouvoir. Mais là où c'est distant, ce qui est intéressant avec une famille, et nous on le fait parfois, c'est qu'on a des interlocuteurs. Effectivement, on peut créer un groupe. L'association de la famille Mullier, c'est quelques centaines de personnes maintenant, mais ils se regroupent une fois par an. On peut venir leur parler de ces enjeux-là, essayer de les bouger. Quand c'est une entreprise qui a un actionnariat décuplé, c'est pas vraiment tangible, nos interlocuteurs, c'est tout un système qu'il faut bouger et c'est extrêmement complexe. Et en plus, il y en a plein là-dedans, quand nous, on va les rencontrer et discuter avec eux, gestionnaires de BlackRock ou autres, ce qu'ils me disent, c'est moi, tout est automatisé, tout est sur des trucs où je suis même pas intéressé aux entreprises qui y a au bout. J'ai des actions sur d'autres critères, d'autres missions. C'est aussi de l'investissement parfois par rapport à des indicateurs calculés, c'est l'investissement passif. Donc, même si on les touche un peu, ils disent, mais en fait, je suis à un niveau où je ne suis pas intéressé vraiment à chaque entreprise sur laquelle elle fait. Alors que la famille, en général, va s'intéresser quand même stratégie d'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le bon modèle, mais c'est un modèle qui offre un dialogue possible direct où on va pouvoir rentrer vraiment dans les sujets directement avec elle. Et après, regarder l'actionnariat, c'est très important. Moi, il y a un actionnaire que je ne veux pas qu'on oublie, c'est aussi l'acteur public. Je pense qu'on a encore en France un acteur public, même s'il a relâché beaucoup d'actionnaires dans les dernières périodes, très important. Et il n'est pas non plus du tout exemplaire encore sur comment il utilise cette position-là pour faire rentrer de manière très forte les enjeux environnementaux dans les stratégies des entreprises. Ça, c'est un truc vraiment à regarder, c'est cap plein. Et il pourrait y avoir des stratégies aussi par rapport à des secteurs d'infrastructure, des secteurs clés. Enfin, ça existe. L'État n'est pas par hasard dans les boîtes où il est. Mais par rapport aux préoccupations qui sont celles notamment écologiques, il y a encore plus d'entreprises clés dans lesquelles l'acteur public pourrait avoir un acteur d'actionnaire très fort. Quoi. J'avais une question pour Madame Duflot. En tant qu'ancienne ministre, on a eu l'occasion avec la Convention des entreprises pour le climat de questionner Laurence Maillard-Mignery, ainsi que Barbara Pompili derrière, sur la pertinence de la loi climat et résilience, à savoir si cette loi pouvait être perçue, en tout cas née par certains des citoyens, comme une loi un peu greenwashing, une loi revue un petit peu à la baisse. Et là, je vous interpelle, en tant qu'ancienne ministre, pour savoir si les politiques n'ont pas finalement le premier rôle à jouer pour faire changer les choses. Et
la question qu'on se posait, c'était de dire, avoir un ministère de l'Environnement, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Vu l'urgence climatique... Alors, il y a trois questions dans votre question. La dernière, elle, c'est la plus importante. Et je vais vous dire une chose, je suis complètement d'accord avec vous. D'autant que, de plus en plus, le ministère de l'écologie, en fait, il est en bataille avec les autres ministères pour essayer de gagner des arbitrages. Et d'ailleurs, vous avez même déjà entendu dans la bouche de la ministre actuelle, essayez, soutenez-moi pour que je gagne mes arbitrages. Et pour tout dire, elle les a tous perdus, quasi. Je pense qu'elle a vécu l'exercice particulier d'être une ministre qui va au banc pour défaire une loi qu'elle a portée en tant que ministre, celle sur les néonicotinoïdes. Donc ça, ça mesure le poids relatif. Bien sûr, pourquoi c'est très important et pourquoi, d'ailleurs, avec l'affaire du siècle, on va organiser un débat sur le climat, parce qu'on considère que ce n'est pas des questions supplémentaires. Qu'en fait, quand on pose des questions sur l'industrie et sur la réindustrialisation de la France et sur les impôts de production, questions qui sont posées aux candidats, on devrait les poser à l'aune de ce que c'est l'industrie dans un monde percuté par le changement climatique avec une responsabilité des entreprises. Que quand on travaille sur la fiscalité, on devrait parler de cette question. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Il se trouve, que vous l'avez peut-être noté, j'ai jamais été ministre de l'écologie. Et quand on me l'a proposé, j'ai refusé en disant cette phrase dont je me souviens, être ministre de l'écologie dans un gouvernement qui n'a pas de cap écologiste, c'est comme un couteau sans lame. Et la vie m'a donné raison à rebours. C'est-à-dire que même Nicolas Hulot et sa notoriété très positive à l'époque n'a pas pu imposer leur rapport de force suffisant. Donc cette orientation-là, elle doit être faite au niveau du président de la République ou de la présidente de la République et du Premier ministre. C'est-à-dire que ça doit irriguer l'intégralité des politiques qui sont menées par un gouvernement. Sinon, ça ne sert à rien. Et je peux dire les choses avec franchise, ça ne sert à rien. Même le plus génial des ministres, s'il est obligé de se bagarrer pour des arbitrages avec le ministre de l'Agriculture ou avec le ministre des Finances, c'est fichu, hyper. Enfin, c'est presque écrit d'avance. C'était pas ma question. Pardon ? C'était pas ma question, c'est pour ça que je voulais terminer. Ah, pardon. J'ai cru que c'était votre question la plus importante. C'était pas sur l'inutilité, justement, du ministère de l'écologie, c'est de dire que, vu l'urgence climatique, est-ce que tous les ministères ne devraient pas être un ministère de l'écologie, finalement ? Vous voyez, c'est pas de supprimer le ministère de l'écologie parce que ça aboutit pas, il n'a pas de poids finalement par rapport aux autres ministères. C'est-à-dire, vu l'urgence climatique, est-ce que tous les ministères ne devraient pas s'appeler ministère de l'écologie et de l'éducation? Vous voyez, généraliser finalement la problématique écologique. Non, mais ils devraient mener une politique écologiste de l'éducation. C'est pas l'écologie et l'éducation. Mais ce que je dis, c'est que ça doit être un cap qui est un cap politique porté au plus haut niveau de l'État. Sinon, ça épuise les ministres dans des bisbilles internes. Et ça, il faut reconnaître que pour l'instant, n'a jamais été élu. Alors les choses sont en train de changer en Allemagne. Hein, une coalition politique ou un dirigeant de premier plan avec un agenda écologiste. Ça n'a jamais existé. Donc on ne sait pas ce que ça donnerait réellement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est nécessaire. Et c'est sûr que dire il y a quelques questions sur l'environnement à la fin d'un débat, des débats de la présidentielle n'est pas satisfaisant. Là où je vois que les choses changent, et notamment sur la responsabilité de la puissance publique, c'est que je rappelle que l'État a été condamné deux fois. D'abord pour carence fautive, donc pour inaction climatique, ensuite pour préjudice écologique et donc nécessité de le réparer, ce qui est inédit dans le cadre de la juridiction administrative, et que cette condamnation, elle pèse toujours sur le gouvernement et sur le futur ou la future présidente qui sera élue, puisque le rendez-vous est donné par le tribunal au 31 décembre 2022. Donc ce qui est intéressant, c'est que peut-être que la contrainte, là aussi, elle viendra de l'extérieur, c'est-à-dire d'une obligation donnée par le tribunal que l'État tienne les engagements qu'il a lui-même pris. Et que du coup, chaque ministère devra intégrer dans sa feuille de route ministérielle, cette obligation. Est-ce que j'ai répondu à votre question, là ? Merci. Oui, peut-être deux dernières questions. Désolée, devant et madame. Non, mais moi, c'est par rapport, pour rebondir à ça, ou la création d'un super ministère, par exemple, écologique, qui serait genre supérieur à tout, et par lequel tous les ministères devraient être dépendants. Est-ce que ça s'appelle le Premier ministre. Mais quelque chose qui soit... comme un ministère, mais au niveau vraiment de lieu, comme une sorte de gouvernance européenne. Je pense que l'enjeu n'est pas vraiment dans la modalité, si ce n'est que le fait qu'il y ait effectivement un cap, une volonté forte de mettre l'écologie dans la vision globale. Après, on peut trouver différentes modalités. Il y a des pays où ça existe, c'est
environnement seul, mais intégré dans autre chose. Enfin, oui, peut-être, si, mais ça veut dire qu'en fait, avant tout, il y a un cap très fort de la prise en compte de l'écologie au sein de l'action gouvernementale. Et dans ce cas-là, moi, je vois le parallèle avec les conseils d'administration. On nous pose toujours la question, est-ce qu'il faut un comité environnement, un comité stratégie environnement, un référent environnement, etc. On a vu tout qui pouvait exister et être bien. Et de toute façon, forcer un truc, si les personnes, ce qu'elles veulent avant tout, c'est un autre cap global d'orientation qui est décidé un peu au niveau global. Donc, un peu l'image d'où c'est président du conseil d'administration. Et quand le conseil est dans son intégralité de quoi il parle, c'est beaucoup plus important que la modalité. Sauf à lui dire que parce que tu lui mets un titre différent, effectivement, tu écris dans le droit que c'est opposable, que le droit administratif est renforcé derrière ça et qu'il y a un budget nouveau très différent. Mais c'est plutôt là que sur la modalité des titres que ça joue. Et puis, il y a le point de la formation dont on parlait tout à l'heure, hein, ce qui s'applique aux entreprises, s'applique aussi aux ministères, aux administrations, au sens large. Je ne pense pas qu'il y ait des gens... En majorité, je ne crois pas qu'il y ait des gens mal intentionnés au ministère de l'Agriculture, au cabinet de transport ou à Bercy, ou même au Parlement. Par contre, est-ce que toutes ces personnes-là sont conscients, encore une fois, de l'urgence, de l'énormité du problème ? Je ne le pense pas. Peut-être qu'on peut imposer, dès que quelqu'un prend un mandat de parlementaire ou travaille dans un cabinet, eh bien, il traverse les séances de formation dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est sans doute... utile. D'ailleurs, il y a un petit truc qui va dans ce sens, vraiment beaucoup, pas un petit truc, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Je rappelle, elle a été composée de gens sélectionnés pour représenter la totale diversité sociologique, de sensibilité, géographique de la France. Et tous ces gens mis dans un bocal à qui on expliquait la réalité de la situation, ils ont fini par, de manière quasiment consensuelle, sortir des propositions qui n'ont pas été reprises dans la loi climat, mais qui étaient, pour le coup, à la hauteur de l'enjeu. Parce que, et d'ailleurs, ils le racontent assez bien, hein, pour certains d'entre eux, parce que le choc a été extrêmement fort. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait faire ça, en fait. Enfermer tout le monde dans le Parlement, faire venir Valérie Masson-Delmotte, et voir ce qui se passe. On peut peut-être prendre une dernière question. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la Convention citoyenne sur le climat, c'était pendant 9 mois, il me semble, et ça a vraiment déconstruit, de ce que vous parlez tout à l'heure, déconstruit les gens. Mais pour les dirigeants d'entreprise, et notamment, j'aimerais bien savoir, Earth on Board, vous faites une formation, c'est quoi, c'est une formation, il y a plusieurs formations. Souvent, on n'a que 2 heures. Mais c'est vraiment possible de déconstruire les dirigeants d'entreprise sur le même modèle, par exemple, que la Convention pour sur le climat. Enfin, je veux dire, Bah, je sais pas, non, nous, notre impact il est hyper limité et même quand il y en a qu'on accompagne plus longtemps, c'est parce que c'est ceux qui sont volontaires qui nous donnent du temps dans leur agenda pour ça, parce qu'en fait ils sont déjà avancés. Nous, on peut aider à aller un peu plus loin ceux qui seraient déjà pas mal avancés et qui vont prendre du temps avec nous. Sinon, on essaye d'être les toucher sur un truc, leur faire un peu peur, sur un risque, sur quelque chose qui va un peu les alerter et souvent qui va peut-être leur donner envie à nouveau de se former, à nouveau de faire de la place à des gens qui sont compétents sur les enjeux environnementaux pour venir leur parler. Mais on est un début de brique dans un processus qui doit être continu. Et ce qui va beaucoup jouer, c'est le fait que culturellement, dans les médias qu'ils lisent, parce qu'ils lisent beaucoup les médias, les conseils d'administration, il y a beaucoup de discussions qui partent de là, de l'actualité, de ce qu'on a lu, de l'article, de la presse économique, etc. Donc quand les médias changeront dans leur traitement, l'information mettant beaucoup d'environnement, ça les fera bouger. Et puis, ouais, c'est toucher des milieux culturels dans lesquels ils se nourrissent. Donc déjà, si les études changent un peu, alors c'est à horizon très long terme, hein, ça ne va pas résoudre la question des gens, les 5 années à venir, ça jouera un peu. Et si dans tous ces milieux-là, financiers et autres, on se met à parler beaucoup plus, ça va évoluer. Mais toujours avec ce risque de comment on va en parler. Parce qu'on va juste parler d'environnement, mais avec des visions très technophiles, où il y aura des solutions magiques régulièrement, l'hydrogène, le machin, et on ne se posera pas les questions fondamentales, ou est-ce qu'on va se commencer culturellement à déconstruire à d'autres niveaux. Mais la bataille, elle est dans ces dirigeants-là, l'ensemble des champs de leur existence, effectivement, dont ils se nourrissent. Et nous, ce qu'on vient faire avec Earth on Board, c'est tenter d'activer un petit truc, mais ça ne transforme pas avec juste 2 heures, et même si c'était 8 heures, on ne transformerait pas grand-chose encore. Mais quand ça marche, c'est spectaculaire. Moi, j'ai discuté, je ne peux pas dire quelle est l'entreprise, mais disons que c'est une entreprise de cosmétiques, et c'est en réflexion très aboutie, une très grande entreprise de cosmétiques, de dire, en ayant tout étudié, etc., nous, on va vers un système anhydre, c'est-à-dire qu'on veut vendre plus que des emballages séparés, mais ensuite tous nos produits, ils seront sans eau.
et ils seront réhydratés. Ce qui veut dire que là, il y a, en termes de, d'évolution, c'est considérable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul emballage plastique, il n'y a plus du tout d'emballage jeté. Il y a, en matière de transport, on diminue considérablement les volumes. Et même, vous pouvez, quand vous achetez de la crème pour le visage, il faut qu'elle soit dans un contenant. Si vous achetez une pastille, vous pouvez la mettre dans un sachet en tissu que vous avez dans votre sac. Et j'étais même moi sciée de voir qu'en fait, ils ont, et il m'a dit, on a fait cet exercice, donc je ne sais pas avec qui, de se dire, si on veut vraiment tenir cette... Si nous, on veut sincèrement continuer notre business, mais avec un scénario conforme avec l'accord de Paris. Mais ils ont trouvé, je veux dire, et quand on... Pourtant, on est dans de la grande conso, dans un produit industriel, et ils ont dit, bah voilà. Et donc là, on s'est dit, il y a des trucs, ça marche pas, c'est compliqué, certaines textures, etc. Comment on fait? Mais ils ont commencé à lancer la R&D, et là, c'est vrai, c'est une vraie révolution, c'est-à-dire que c'est plus du tout des camions de bouteilles de shampoing ou de crème pour le visage, c'est des comprimés qui font quelques grammes. Et ça, alors c'est évidemment, ça passe par... Mais on peut très bien se dire, imaginons dans un modèle où ça fonctionnerait, on dirait, ben voilà, c'est eux, ils ont démontré le fait que c'était possible, ben ensuite ça devient une obligation pour l'ensemble des entreprises du secteur cosmétique. On ne peut plus vendre de bouteilles en plastique, parce que pour l'instant, on nous dit, sinon on ne peut pas. Ben en fait, certaines entreprises vont montrer qu'en fait, si, c'est possible. C'est juste qu'on n'avait pas prévu de le faire comme ça, mais on peut faire différemment. Et je suis convaincue qu'un système sobre, un système qui est tout à fait accessible, en tout cas à notre raison, à notre pensée, à notre capacité de conceptualiser. Donc ce qui manque, c'est à la fois de la volonté, de l'encadrement et de la décision. D'où la responsabilisation des différents interlocuteurs, des banques, mais aussi des grandes familles de milliardaires. Parce que si les patrons d'Auchan décidaient de vraiment changer de modèle, ils auraient un effet d'entraînement aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on a vécu ça avec les banques, où le Crédit Mutuel, il y a 2 ans, a fait sortir une politique assez intéressante qu'on a saluée. Immédiatement, je crois le lendemain de la publication de notre rapport, ou l'après-midi, le patron de la Poste, même pas de la Banque Postale, m'appelle et me dit « Oui, je suis pas très content parce que je pensais qu'on était bon et là, je viens de m'en rendre compte qu'on n'est pas si bon. Est-ce qu'on pourrait discuter ?» J'ai dit « Oui, on peut discuter. » On a discuté et pour tout dire, la politique qu'a sorti la Banque Postale sans nous... Enfin, on a dialogué, hein, mais on a eu la surprise, était, sans, ça a été maintenant expertisé, la meilleure politique mondiale en la matière. Et de façon intéressante, c'est parce qu'ils avaient été challengés, parce que le fait que le Crédit Mutuel avait commencé, d'ailleurs le Crédit Mutuel, maintenant, ils veulent aller un pas plus loin, et donc il peut y avoir aussi cette spirale vertueuse, c'est-à-dire que quand une entreprise, comme vous disiez, ils lisent beaucoup, ils voient que d'autres font, ils se disent, si eux, ils ont fait, nous aussi, on peut faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument rien lâcher pour engager ces démarches-là, parce qu'ensuite, ça peut aller assez vite, je suis convaincue. Ce qui est peut-être un mot, de notre point de vue, est très important pour réussir cette déconstruction, c'est d'arriver à faire comprendre le caractère systémique de ces problèmes. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que souvent on rentre, alors pour votre secteur, ce qui est important, c'est tel techno, c'est tel sujet, etc. Et du coup, on raisonne aux bornes de ce secteur, et on est sensible à ce que tu évoquais à l'instant, à la pensée, ce que nous on appelle la pensée magique, qui est, il suffit d'avoir de l'hydrogène, il suffit d'avoir le CCUS, de la compensation, etc. On fait tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, on va aller demander à l'État, mais tout ça va bien fonctionner. Et sauf que personne, tout le monde fait ça individuellement et on ne tire pas la ficelle au bout pour faire boucler le système en énergie et en matière à l'échelle du seul système qui compte, c'est-à-dire le système planétaire. Et donc, arriver à faire comprendre qu'à la fin, il y a deux goulots d'étranglement, c'est l'électricité décarbonée dont on a besoin pour électrifier et faire de l'hydrogène, et c'est des terres pour faire de la biomasse, pour faire des renouvelables, etc. Et que ces deux goulots d'étranglement-là, aujourd'hui, on est très, très, très loin en ordre de grandeur de pouvoir tenir les trajectoires. Alors tout le reste n'a pas d'importance. Et ça, on peut arriver à faire comprendre ces mécanismes-là en quelques heures, en fait. On n'est pas obligé de prendre 9 mois de formation pour rentrer sur les différentes méthodes d'électrolyse disponibles. Mais c'est ce qui, de mon point de vue, permet d'enclencher ce processus de déconstruction que vous appelez de vos voeux. Malheureusement, on arrive à la fin de cette conférence. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps. Non, merci beaucoup, c'était un plaisir. On recommence.
Merci à tous. Merci à vous.